Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Comment faire un board slide? Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir ensemble quels sont les prérequis pour essayer ce tricks en sécurité. Comment réaliser la sortie de ce slide? Et bien sûr, comment réaliser ce tricks en backside mais aussi en frontside? Alors, backside board slide ou frontside board slide? Pour un slide, c'est très simple. Si le rail ou la box est dans votre dos, alors il s'agit d'un backside. Comme le démontre cette vidéo de backside board slide. Tandis que pour le frontside board slide, le rider arrive avec le rail face à lui. Nous allons voir maintenant comment faire. Tout comme pour l'apprentissage du shifty, commencez à l'arrêt afin de vous habituer aux mouvements principaux. Pour le shifty frontside, préparez-vous en plaçant vos épaules face à la pente. Une fois en l'air, tournez simultanément vos épaules dans un sens et votre planche dans l'autre sens. La position de préparation est donc décisive afin de pouvoir revenir dans l'axe à la fin du slide. Préparez-vous en tournant votre buste face à la box ou au rail. Cela vous permettra, tout comme le shifty, de tourner votre buste dans un sens tandis que vous tournez votre snowboard dans l'autre sens. Attention de bien garder votre planche à plat durant la phase de slide, car si vous essayez de freiner, vous allez zipper et tomber sur les fesses. Une fois que vous maîtrisez ce trick sur une box, vous pouvez essayer alors sur un rail facile, car la technique est exactement la même. Comment effectuer le même board slide en sortant en switch? Dans un premier temps, il est important de savoir rider un minimum en switch. Cependant, le trick en lui-même est relativement plus simple, car il s'agit d'accompagner le snowboard avec le haut du corps. Tout comme précédemment, la phase de préparation est importante, car elle vous permettra de tourner dans la direction souhaitée. Gardez le regard tourné vers la sortie du module et préparez-vous à réceptionner. De nouveau, une fois le trick maîtrisé sur une box, essayez sur un rail facile, car la technique est exactement la même. Passons maintenant au frontside board slide. De nouveau, commencez facilement en vous entraînant à l'arrêt. Ce tricks utilise les mêmes mouvements que le shifty backside. Montrez votre dos face au kicker ou à la pente. Lors de la phase aérienne, tournez votre buste et votre planche dans une direction opposée. Votre buste va alors regarder vers la réception. Tout comme pour le shifty, la position de préparation est très importante. Montrez alors votre dos face à la box afin de pouvoir effectuer une contre-rotation du haut du corps et du bas du corps durant le slide. La tension présente entre le haut du corps et le bas du corps vous permet alors de revenir en place tel un ressort. Entraînez-vous suffisamment sur des modules faciles afin de petit à petit pouvoir passer sur des rails. Comment sortir en switch depuis un frontside board slide? Cette fois-ci, pour la position de préparation, tournez votre buste face au module. Ensuite, grâce à un léger appui sur les pointes de pied, commencez à tourner doucement dans la direction souhaitée. Vous vous retrouvez alors à slider dans une position dite blind, car vous ne voyez pas où vous allez. Restez stable et attendez alors la sortie du module. Entraînez-vous sur une box avant de passer sur un rail. Alors voilà, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et bien sûr à liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain tutoriel. Ciao !